Bonjour à tous et vous êtes de retour avec nous pour le 29e épisode de la série 7 Days to Die. Nous sommes maintenant rendus au jour 21 et c'est aujourd'hui que se passera la horde, la troisième horde. Et j'ai pris un peu d'avance et j'ai rajouté des défenses supplémentaires. J'ai rajouté une rangée de deux... tout le tour de la base, j'ai mis deux pieux. J'ai rajouté deux lisières de pneus de pieux, dis-je. Juste pour affaiblir un peu les troupes avant qu'ils arrivent sur les pieux qu'on a en dessous ici. Mais sinon, ce qui va me rester à faire avant la horde, c'est de rendre tout ça ici en tant que béton officiel. Donc ce que je vais devoir faire, c'est faire d'autres cement mix. Et l'ingrédient qui me manquait le plus, en fait qui me manquait point, c'était le sable si je me trompe pas. Yes, donc j'ai plus de sable, donc je vais devoir aujourd'hui, avant la horde, aller chercher un peu de sable dans le désert. Donc je vais faire un peu le ménage avant de quitter. Ceci, les bandages dans la barre d'outils toujours efficaces, les spikes, les munitions. Ça va là. Et voilà. Et on va serrer ça en attendant ici et ici. Je risque de manquer de beaucoup de stone aussi, donc je vais devoir m'arranger pour en récolter quelques-unes. Mais pour ce qui est des défenses, voici un peu à quoi ça ressemble au niveau du sol. Donc j'ai laissé de l'espace entre les pieux et les gros spikes pour pouvoir aller réparer les spikes après la horde. Oups, on va prendre ça tant qu'à être ici. Et maintenant, l'étape qui va nous rester à faire avant la défense officielle, c'est d'aller dans le désert pour ramasser du sable. Donc je vais faire ceci. Toujours pas accès à la map une fois sur la minibike. Donc on va se diriger. Est-ce qu'on va faire un autre tour là-bas? Ça pourrait valoir la peine. Ce que je vais faire, je vais mettre un waypoint ici. Quick waypoint, ça je l'avais ramassé je pense, mais juste pour être sûr, je vais le laisser là. Donc on va aller ramasser du sable et on va aller faire une autre visite à l'hôtel dans lequel il y a un munition box. Des fois, si on est chanceux, trouver une bonne pièce d'une arme qu'on a déjà ou juste des munitions pourrait être bien aussi. Alors c'est parti en direction sud-est. Donc je crois que principalement ça va être vers le sud. Nice. Alors, une petite mise à jour concernant la vidéo preview de l'Alpha 15. Je vais, en fait, tout de suite après cette vidéo-ci, après avoir enregistré cette vidéo-ci, je vais aller travailler directement là-dessus. J'ai compilé un peu tous les vidéos que je voulais, tous les extraits que je voulais vous montrer. Il va me rester qu'à faire le commentary par-dessus, donc un peu expliquer ce qui s'en vient et tout. Ça devrait être en ligne demain, dimanche ou au plus tard lundi. Alors... ça va être en ligne bientôt. Alors, ce que je vais faire... donc, on est rendu dans le désert. Je pense que je vais commencer par le loot. Ok. Il y avait un zombie là qui était mort et pas encore décomposé. Un peu étrange. Donc, je vais commencer par aller visiter l'hôtel et la munition box au sommet de la tour. Et puis après, je ferai une coupure pour ramasser du sable, histoire de pas vous avoir à... pas vous forcer à regarder quelqu'un qui ramasse du sable pendant 15 minutes. Cactus. Nice. Donc on devrait arriver très bientôt. En fait, on devrait le voir juste après la colline. Et voilà. Ah, c'était un hôtel différent. Oh, il y a un airdrop qu'on n'a pas ramassé. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. On va ramasser ça d'ailleurs en premier. Donc, des médicaments, toujours utiles. Dis-moi que c'est une part de sniper. Nice. Donc, SM... oh. On va au moins ramasser ce qu'il y avait d'autre. Tout ce qui traînait. Donc, on va faire un assemble. Est-ce que j'ai des bottes en métal? Je me souviens plus. Ouais, absolument. Donc, on va refaire ça une deuxième fois. Assemble.
Et on va mettre cette partie-là qui devrait monter. Donc on passe à 351. Et on monte à 413. Fantastique. Et pour le reste, c'est pas si mal. Donc les dégâts de 41.62. Vraiment très bon. En fait, ce que je vérifie, c'est... c'était l'hôtel ici, en fait, que je voulais aller voir. Donc, on va se refaire une autre petite promenade. D'ailleurs, juste avant de l'oublier, je vais faire ceci. Airdrop. Remove. Est-ce que ça allait retirer mon quick waypoint? Non. Okay. Donc, on va se diriger à l'hôtel. Aller au sommet. Et ensuite, ramasser une tonne de sable. Et en fait, j'ai un pressentiment que c'est pas mal tout ce que je vais avoir le temps de faire avant l'attaque de la Horde. Oh! Je savais pas qu'il y avait ça ici. Alors ça, on va aller faire un tour parce que ça peut être très très intéressant. On va faire ça ici. On va prendre notre arme mêlée. C'est raté. Et voilà, donc absolument rien de bon. Donc le monument ici est très intéressant parce que il va y avoir un chest avec fort possiblement une relique au fond, donc juste en dessous. Donc vous l'avez sûrement vu dans le passé, mais j'étais même pas au courant qu'il y en avait dans Navisgan. Donc en fait, même je vais ramasser les stones parce que ça peut être intéressant pour le stone et le métal. Et voilà, massacre. C'est quoi ça? Ok. Donc ça va nous faire un peu de stone en supplémentaire. Nice. Presque 600 stone. Donc c'est presque un 100 stone par roche. Et on va avoir ça ici. On va pouvoir creuser directement en dessous. On devrait avoir un chest avec une relique. Non, ça a été changé. Donc, à moins que ce soit une chance de trouver, parce que j'aurais pu trouver une hache ancienne qui ressemble à une stone axe, mais qui frappe presque aussi fort qu'une steel pickaxe et steel axe. Donc j'aurais pu presque l'avoir à l'infini, parce que mon repair skill est très bon, donc j'aurais pu la réparer pratiquement indéfiniment. Donc voici l'hôtel qu'on cherchait, et on va être rendu à monter au sommet. Donc l'essence est relativement bas, 72%. Donc on va stationner ça ici en avant de la porte. Et on va se faire une course, parce qu'on a déjà looté tout ça. On va se faire une course au sommet pour aller chercher le munition box et les weapon parts dans le weapon safe. Gun safe. On devrait arriver au sommet bientôt, voilà. Donc je ne me souviens plus c'est quelle porte, ça va être celle-là ici. Untouched, je l'ai déjà. Oups. Donc je vais faire ceci. Donc on va faire scrap. 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 Donc ça va nous faire un peu de métal. Et ça va aussi faire en sorte que le gun safe soit regarni d'items. Non, il est resté. En mode non regarni, malheureusement. Alors, je vais ramasser une tonne de sable et je vous retrouve à la base en espérant que ce soit pas trop tard pour pouvoir upgrader mes murs en béton et pour la défense de la Horde 21. Alors, restez là, on se retrouve tout de suite. Et j'ai ramassé un peu plus de 2000 sables, donc une magnifique fosse ici. Et lorsque je creusais, il y a évidemment un airdrop qui est tombé avec mon timing légendaire. Alors on va aller voir ce que c'était.
et je commençais à avoir chaud aussi, donc c'est pas une bonne chose. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté pour l'instant. Alors on va aller voir le feu de... pas le feu de camp, on va aller voir le airdrop, voir en quoi il consiste. Il devrait pas être très loin d'ici. Ah, il est juste là. Est-ce que j'ai de l'espace? Un peu. Donc là-dedans, il y a quoi? On va prendre tout ce qui est médical. Rocket launcher, mais... Est-ce que j'ai un chestplate? Oui, j'ai un chestplate militaire. Donc on va continuer vers la maison. Avec la fameuse animation de la personne qui court sur la moto. Fantastique. Donc, la prochaine étape qui va nous rester à faire, ça va être une espèce de... Et voilà. Ça tournait un peu étrange. Donc, la prochaine étape va être de faire une tonne de ciment. Et de, bien sûr, renforcer notre mur. En fait, faire les quelques blocs qui nous restent à faire. Et pour ce faire, il va me falloir un petit stone. Donc, je vais arrêter en ramasser un peu. C'est raté pour le premier coup. Et... Ow. Et voilà, donc direction la maison. Il devrait pas être bien loin d'ici en fait. Je vais ramasser encore un petit stone. Juste parce que je suis à côté. Pas avec la hache. Et voilà. Parce que pour faire du ciment, il faut deux stones et un sable avec le ciment. Pour faire du ciment mix, je veux dire. On va continuer notre route. Et on devrait être presque rendu juste de l'autre côté de la colline qui est ici. Ça devrait y être. On a la ville à gauche. Et ça devrait être juste ici, voilà. J'avais un peu oublié les pieux. Donc je prends un bandage. Juste par mesure de sécurité. Et voilà. Donc... Nous voici maintenant de retour, 13h24. Il nous reste à peu près une dizaine d'heures, un peu moins, avant que la horde arrive et que le massacre commence. Juste par curiosité, je vais vérifier combien de kills que j'ai. 686. Donc on va voir pendant la horde combien de kills je vais avoir manuellement. Donc on a une tonne de ciment ici, une autre tonne de ciment. Ce que je vais faire premièrement, je vais commencer par stocker ce qui est pas utile. On va faire scrap là-dessus. On va le garder au cas où. Scrap là-dessus. Les beakers vont être utiles parce que j'en avais plus. Non. Donc scrap. Scrap. Un peu de nourriture, ça, ça. Je crois que 5 medkits, ça devrait être suffisant sur moi. Est-ce que j'ai d'autres bandages? Oui. Donc 5 bandages et 5 medkits en cas d'urgence. Et même qu'on va se prendre un antibiotique, on peut le prendre tout de suite vu que ça dure 24 heures. Et voilà. Et on va se faire de la place pour pouvoir ramasser tout ça. Donc ça, 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 ça. Le couteau sera pas utile pour l'instant. Les bouteilles d'eau non plus. On va boire ça. Est-ce qu'on a de la nourriture? Que je vais faire, Ah, oh, j'en ai ici, parfait. Allez, prends ça. Eat. Donc, on va se remplir en nourriture avant de finir la journée. Et voilà. N'arrête pas si mal comme ça. Ça ici. Donc, ce qu'il nous faut, c'est le stone, non pas le clé, stone, tout ce qui est ciment, ciment mix, et on va faire un tour là-dedans pour faire du concrete mix, 1000,
33. Donc, il va rester 10 surplus, évidemment. Et ça va être utile pour les prochaines fois, lorsqu'il va falloir d'autres ciments pour continuer notre défense. Donc, le temps que ça cuit, ce que je vais faire, je vais juste vérifier combien il en faudrait à peu près. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, peut-être une 25 ici, peut-être un autre vingtaine ici, donc une 45, 46, donc environ une cinquantaine, ça devrait être assez pour faire notre palissade entière. Et je dis entière et sinon pas la palissade que je voulais avoir au jour 21. Mais bon, j'aurais voulu avoir une palissade de 1 de plus haut et avec des rebords pour empêcher les spider zombies de grimper. Mais on peut pas tout avoir. Alors on va faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver une façon de mettre mes spotlights de manière plus efficace. Tout en la plaçant de ce côté-là peut-être. Donc ça éclairerait tout ce qui est là. Parce que j'ai un pressentiment qu'ils vont arriver en grande majorité de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, je mettrai celle-là. À peu près au centre. Et celle-là, on la mettrait de l'autre côté ici. Vers la gauche. Comme ceci. Donc on devrait avoir une bonne couverture du côté sud. Nice. Donc, est-ce qu'on a un peu de ciment de près? 18. Alors, je pense que je vais faire une dernière coupure. Et de toute façon, vous allez savoir ce que je vais faire. Je vais seulement que upgrader mes murs ici. Je peux pas le faire d'ici, c'est trop loin. Évidemment. Donc, on upgrade tout ça. Et on se retrouve à 21h quelques pour le début de l'attaque de la Horde. Alors, restez là. On se retrouve pour la fin d'épisode. Nous sommes de retour. 21h presque 48. Alors, on approche. Donc, j'ai passé pratiquement tout le métal que j'avais sur moi pour upgrader presque tous les pieux. En fait, les gros spikes sont presque tous en métal niveau 2. Donc, ça va être une bonne défense supplémentaire. Alors, on devrait avoir une horde assez intéressante aujourd'hui. Avec nos premiers... j'espère que les blocs vont finir de sécher avant l'arrivée de la horde. Donc, la horde devrait avoir des chiens, devrait avoir des policiers, devrait avoir... des hornets, des abeilles. Puis aussi, il va sûrement y avoir les premiers feral zombies, donc qui sont considérés comme, un peu comme les boss qui prendront quelque chose comme 2 ou 3 headshots, ou 4 même avec le sniper. Donc je vais devoir m'assurer de tuer ceux-là le plus possible, parce qu'ils vont être les plus dangereux ou les plus endommageables pour les spikes. Donc, presque 22h. Et évidemment, j'ai froid. Donc, 6,86. On va voir combien de kills que je vais avoir. Et je vais équiper le manteau qui est ici. C'est ici. Where? Donc, on aura plus froid. Donc, je commence à avoir des zombies qui attaquent d'un côté. Donc les voici, ils arrivent pas du tout du bord que je pensais qu'ils allaient arriver. Voilà, un de moins. Donc, on a plusieurs spider zombies dans les pieux, fantastique. Donc, ça semble faire effet. Je vais essayer de m'assurer de tuer quelques policiers. Par contre, je vais juste essayer de m'arranger pour avoir au moins une lumière. Par en haut ici pour pouvoir au moins les voir. Donc, ceci.
commence à avoir des gens pas très loin. On va essayer d'en tuer quelques-uns avant qu'ils arrivent au pieu. On va juste les affaiblir un peu, ça va faire du bien. Et voilà. Un policier de moins. Un policier de moins. Donc on a un feral ici. On va s'arranger pour le tuer nous-mêmes. Un beau glitch. Ok. On a un cop zombie qui est juste là. Voilà. Un cop de moins. Heureusement, ce qui est bien, c'est que les pieux en avant sont ceux qui sont les plus upgradés, je crois, si je me souviens bien. Quelques-uns encore. Feral. Des zombies en feu, vraiment. Excellent. Donc, ce que je vais faire, je vais les attirer plus vers la droite ici, peut-être. Je sais pas si ça va fonctionner. Donc, on a un feral au sol. Policier là-bas, au loin, qui attaque ma base. Putain de policier qui est mort. De feral qui sont des vrais tanks. Oh, knockdown. Premier mort, est-ce que je peux le looter? Non. Nope. On a deux crawlers sur les pieux. Oh, on a un crawler qui est un punk crawler, un des gros dudes qui a réussi à monter sur le mur. Je vais attendre qu'il monte ici juste pour avoir son loot. Ah, tant pis. Alors, on peut voir qu'ils sont assez résistants. Oh, il est mort. Nice. Donc, ils ont des très bons loots par contre. C'est la bonne nouvelle. On va remonter en haut ici. Donc, je crois que c'est la première vague.
que je vais faire, je vais chercher un peu de bois pour réparer ma passerelle. Juste pour pas que ça défonce. Ce serait un peu ordinaire. Donc, ça ici. Ça ici. Donc, il me fallait ça ici. Donc, on va réparer un peu tout ça. Et se préparer pour la deuxième vague. On est déjà rendu à combien? 701, pas si mal. Une trentaine de kills, un peu plus. Salopard. Et voilà, un de moins. On va les attirer par ici. Je vais prendre un très gros risque et descendre pour les looter. Parce qu'ils ont du loot très très intéressant. Et les policiers aussi. Non, non. Bloated, non. Healer. Ow. Est-ce qu'on avait d'autres... d'autres dudes... avec du bon loot? Je ne crois pas. Donc ce que je vais faire, je vais remonter en haut, évidemment. Avec ma petite entrée qui est ici. Oh, je pense qu'il y en reste un quelque part ici. Il y en a un qui est très très... Oh, un petit coup de lag. Donc on voit que j'ai récupéré plusieurs parties de Magnum et de K47 et de SMG. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. Headshot. Et voilà. Par contre, celui-là, je descendrai pas aller le looter. Est-ce que je descends le looter? Adieu, monde cruel, il est où? Il est là. Une partie de sniper. Mauve, vous! Allez vite, on court. Et on remonte sur la palissade. Je suis pas au courant si il va y avoir d'autres attaques. Oh. La lune rouge. Donc, je pense que c'est ça sera pas un mensonge de dire que si l'attaque, si encore une attaque puis que ça vient du même côté, on peut être possiblement dans le trouble parce que les défenses ont mangé une bonne raclée. Si on jette un coup d'œil au pieu ou ce qui en reste. Ouf. Ouf. Aïe 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 aïe. Et merde. Donc on va espérer que s'il y a une autre attaque, ça va être d'un autre côté. Ouh. Alors, ce que j'ai récupéré, j'ai un sniper barrel et mon sniper qui est presque brisé. Alors je vais le réparer, ce serait pas une mauvaise idée. Repair kit. Oups, c'est 18.
Juste vérifier, voir si je fais repair, s'il reste 413, ouais. Donc, waouh, une des parties les plus basses de mon sniper va être une des plus hautes. Donc, je vais faire assemble et on change. Donc, on passe de 413 et on monte ça à 522. Donc, les dégâts sont maintenant 76.11. Donc, ça va faire une bonne différence. Et ça, pour l'instant, on peut l'envoyer ici. Est-ce que j'ai assez pour faire un magnum? De toute façon, j'ai pas de munitions. Magnum parts de 600. Magnum frame de 461. SMG. Je commence à avoir beaucoup de parties d'SMG aussi. Ah, j'ai quelques munitions pour le magnum. Donc le SMG stock. En fait, ce que je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Ça, ça. SMG stock, SMG parts, magnum parts. Donc je vais faire ça ici. Assemble. Magnum, magnum. Où es-tu? 461. Donc j'ai les parts. J'ai le frame, il manque le grip. Tiens, le grip. Donc j'ai une partie de magnum de créer. Frame 461, parfait. Et on va commencer à assembler un nouveau sniper, tant qu'à l'avoir. Close. Tant qu'à avoir les pièces. Et ensuite, SMG. Assemble. SMG part. SMG barrel. Et voilà. Ensuite de ça, ça je peux le scraper. J'ai un nouveau pistolet, en fait non, pas du tout. Il est moins bon que ce que j'ai ici. 2,93, 2,38. Donc on va faire un scrap là-dessus. Donc je vais faire assemble. Enlever toutes les pièces et faire scrap. Voilà. Avec les munitions, 171. Je pourrais traîner le pistolet avec moi juste au cas où les choses tournent mal. Avec les munitions, bien sûr. Ceci. Donc on a un sniper rifle 522. Nice, nice. Donc la vidéo dure plus longtemps que prévu. Je crois que je vais faire une coupure. Et on va se retrouver soit à la deuxième attaque ou on se retrouve au début de la journée si tout se passe bien. Alors restez là, on se retrouve tout de suite pour la clôture de l'épisode. Nous sommes de retour et il ne semble pas y avoir eu d'autres attaques pour la journée 21. Alors, la nuit s'est passée relativement bien. On va aller jeter un coup d'œil aux dégâts au niveau du sol. De façon plus standard, plus tranquillement. Donc, on a beaucoup de dégâts sur tous les pieux ici. Et c'est même pas le côté principal qu'ils ont attaqué. C'est un peu triste. Ils ont défoncé les pieux ici assez rapidement. Et ont détruit une bonne partie des spikes à droite ici. Et fait une bonne quantité de dégâts sur les murs et sur... J'ai plus ma wrench sur moi. Et sur les spikes. Ok. Alors, pour le jour 28, ce que je crois que je vais tenter de faire, c'est d'avoir... ouch. D'avoir encore plus... au moins un étage ou deux de plus. Avec un rebord, avec les barres en fer comme ça ici. Tout le tour, on va espérer que ça fonctionne. Puis, si j'ai le temps et les ressources pour le faire, j'aimerais aussi faire en sorte que tout le mur au niveau du sol soit comme ça ici. Donc, pour que je puisse tirer à travers. Et aussi, il faudrait que je fasse le dessous. Ouch! Il faudrait que je fasse en dessous du mur, faire un autre étage de béton. Juste histoire que les zombies puissent pas détruire l'asphalte en dessous. Ou la gravelle, et puisse démolir mon mur par en dessous. Alors, beaucoup de béton à prévoir, beaucoup de stone. Donc, je risque de passer beaucoup de temps hors caméra à miner du stone et du métal. Mais pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode bien rempli. Avant la prochaine fois, ce que je vais tenter de faire, c'est au moins réparer tous nos pieux. Tous nos spikes ici, ça risque de coûter très cher de métal. Mais ça doit être fait. Puis, je vais sûrement passer peut-être une journée ou deux même à travailler hors caméra juste pour remettre en ordre et ramasser une tonne de stone pour se préparer déjà pour la horde
du jour 28. Mais d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé. Si vous voudriez manquer de la suite et des autres épisodes sur ma chaîne, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux sur Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description en dessous. Puis, manquez pas dans les prochains jours la vidéo de preview de l'Alpha 15 qui va nous montrer un peu dans quelle direction 7 Days to Die en ligne et l'ajout dans l'Alpha 15 de plusieurs améliorations graphiques, les NPC, une tonne de points d'intérêt différents, des prisons, des plein d'autres trucs. Et on va pouvoir voir ça ensemble dans cet épisode spécial-là qui devrait sortir bientôt, soit demain ou après-demain. Mais sinon, d'ici là, je vous remercie grandement d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de 7 Days to Die. Ciao!